Nous avons demandé aux Français ce qu'ils pensaient de la politique menée par Manuel Valls et le gouvernement à l'égard de l'entreprise. On sait que l'entreprise a été très présente dans le débat politique et économique au cours des dernières semaines, à l'occasion du remaniement, à l'occasion de la prise de parole de Manuel Valls devant le MEDEF et également son discours à l'occasion de l'université d'été du Parti Socialiste. 63% des Français estiment que Manuel Valls et son gouvernement n'en font pas aujourd'hui assez en faveur des entreprises, ce qui montre bien aujourd'hui la bienveillance, voire même l'importance que les Français accordent au rôle de l'entreprise pour l'économie française, pour son développement, pour la création de richesses, la création d'emplois. Les représentations sur l'entreprise ont changé. Bien entendu, le gouvernement s'est déjà engagé sur cette voie à travers le CICE, le pacte de compétitivité, mais dans un contexte où les premiers résultats de cette politique économique, de cette ligne économique défendue par l'exécutif tarde à se faire ressentir à travers tout un certain nombre d'indicateurs, eh bien, il reste très majoritairement ancré dans l'esprit des Français qu'il est sans doute nécessaire d'en faire encore un peu plus pour aller chercher cette croissance qui manque tant au pays. En tout cas, la déclaration d'amour de Manuel Valls aux entreprises est quelque chose qui semble effectivement validé à travers ce résultat, même si lorsqu'on regarde les résultats en fonction des différentes familles politiques, on voit que les sympathisants de gauche, et notamment ceux de la gauche, au Front de Gauche par exemple, sont beaucoup plus critiques vis-à-vis de ce discours, sont aussi beaucoup plus critiques à l'égard des entreprises. Mais auprès des sympathisants du Parti Socialiste, on a quand même une majorité relative. Plus de 40% d'entre eux qui estiment que le gouvernement n'en fait pas assez. Et puis lorsque l'on regarde les résultats auprès du centre ou des sympathisants de droite, là effectivement il y a une vraie volonté, une vraie demande d'un soutien accru du gouvernement aux entreprises.